réalisation de la crème pâtissière traditionnelle. Un cul de poule, des jaunes d'œufs, ajouter du sucre, semoule. Il est important de mélanger la masse pour éviter que les jaunes ne brûlent par le sucre. Maintenant, je vais fouetter donc énergiquement jusqu'à ce que la préparation ait bien blanchi. Une fois que la masse a bien blanchi et que le sucre est fondu, y ajoutez la farine. Mélangez délicatement pour bien incorporer la masse. Cette méthode est traditionnelle. On peut remplacer aujourd'hui la farine par de la poudre à flan, voire de la fécule, voire un mélange de farine et de fécule. Réalisation de la crème pâtissière. Prendre une russe, ajouter du lait froid, y faire infuser une demi-gousse de vanille, préalablement retirer les graines et les ajouter au lait. Porter à ébullition. Le lait prend l'ébullition. Je le verse délicatement sur la préparation en mélangeant. Versez à nouveau dans la russe. Cornez le cul de poule. Et faire bouillir. Faire attention de bien aller au fond de la casserole afin d'éviter que la farine n'accroche. Une fois que la crème pâtissière atteint l'ébullition, laissez bouillir pendant 5 minutes, débarrassez lissez la préparation et tamponnez. Faire refroidir en cellules.